Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends donc aujourd'hui avec une recette. Je vais vous partager la recette de mon gâteau à l'orange. C'est un de mes gâteaux préférés. Je n'en dis pas plus. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir bien refaire la recette. Et j'attends ton avis en commentaire. Avant de commencer dans la recette, on préchauffe d'abord le four, chaleur tournante à 250 degrés, comme je vous montre là. Et je vais donc laisser préchauffer pendant que je commence avec la recette du gâteau. Et là donc, je vais prendre mon repos pâtissier et je vais mettre à l'intérieur donc du sucre. Moi, je vais faire ça avec du sucre cassonade ou bien du sucre roux. Je vais prendre du sucre et puis je vais mettre aussi les œufs. Donc, j'ai mis 3 œufs et 100 g de sucre. Mais vous pouvez aussi faire avec le sucre que vous avez, le sucre raffiné, il n'y a pas de problème. Je vais donc faire monter ça jusqu'à ce que ça double de volume. Comme vous voyez là, ça doit gonfler. Et ça, c'est très important pour le côté moelleux de votre gâteau. Voilà. Donc, et à ça, donc maintenant, je vais ajouter de l'huile. Je vais mettre 100 ml d'huile. 150, je vais dire. 150 ml d'huile. Et ensuite, je vais ajouter le jus d'orange. 100%, prenez les jus 100% d'orange et si possible vous avez la pulpe encore à l'intérieur ou bien vous pressez le jus vous-même et ça fait 150 ml de jus et j'ajoute à cela aussi le sucre vanillé et je vais aussi mettre quelques gouttes d'extrait d'orange. Ça c'est facultatif, si vous avez vous mettez, si vous n'avez pas vous laissez, c'est juste pour renforcer le goût de l'orange. Donc c'est vraiment optionnel, c'est pas obligatoire. Et là ici c'est le zeste d'orange. J'ai pris un sachet de zeste d'orange que je vais aussi ajouter. Et moi mes quantités j'ai doublé parce que mon moule est très grand et ça fait 28 cm de diamètre. C'est pourquoi vous verrez que ma quantité est beaucoup. J'ai donc fait bien battre cela. Et là maintenant je vais ajouter la farine. La farine, je vais mettre en deux temps. Il faut mettre la farine en deux temps. Vous mettez premièrement, vous faites battre et ensuite vous mettez le reste. Et cette recette aussi, vous pouvez réaliser ça à la main ou bien avec un mixeur à main. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Et à ça, donc, j'ajoute donc maintenant un sachet de levure chimique. Je vais mélanger et après, je vais ajouter donc le reste de la farine et continuer donc avec le mélange. J'ai donc pris mon moule que j'ai beurré et fariné pour que le gâteau ne colle pas, soit facile à être retiré. Et voilà donc notre pâte et vous voyez la consistance donc que votre pâte doit avoir. C'est bien lisse, il n'y a pas de grumeaux à l'intérieur parce que j'ai mis la farine en deux fois. Donc je vais donc mettre tout ça dans le moule et je vais donc mettre au four. Voilà, et avant donc de mettre au four, ça aussi c'est facultatif, hein. J'ai pris une cuillère à soupe de sucre cassonade que je saupoudre au-dessus de notre gâteau. Juste pour que notre gâteau ait à la fin un côté caramélisé au-dessus. Et le gâteau ne sera pas très sucré si vous faites ça parce que pour cette quantité-là, j'ai juste mis 100 g de sucre. Le gâteau n'est pas du tout très sucré. Donc je vais saupoudrer ça ici avant de mettre notre gâteau au four.
Voilà, là donc je vais donc réduire la température du four donc à 180 degrés. Je vais cuire pendant 30 minutes et après je vais descendre à 150 degrés et cuire pendant 15 minutes. Voilà donc notre gâteau terminé. C'est tellement bon. Ce gâteau est juste à essayer. C'est tellement bon. Waouh, j'étais vraiment satisfaite du résultat. Et vraiment, c'est un gâteau qui n'a pas eu longue vie ici parce que ça a été presque tout mangé le même jour parce qu'on n'arrêtait pas de manger. Donc vraiment, refaites la recette et vous-même vous verrez. Regardez comment le gâteau a bien gonflé et c'est moelleux, vraiment moelleux et sucré comme ça se doit. Voilà, donc je vous laisse donc et à la prochaine donc pour une nouvelle recette. Et bon appétit à moi. Portez-vous bien. Bye.